Et bonjour Twitch, je viens de donner un violent coup de micro à ma caméra. qu'est-ce que ça donne? Attends. Oh, ça va, ça s'est pas trop décadré. Un petit peu, mais ça va le faire. Tac. Ouais, c'est bon. Hop, ça c'est fait. Alors, aujourd'hui... Aujourd'hui, je croise les doigts, vraiment, pour finir ce maudit jeu. Normalement, on est à la fin du dernier chapitre, ça devrait pas durer longtemps, j'espère. On verra, alors, il faut que je finisse celui-là. Si je le finis, il faut aussi que je finisse Broken Peace, parce qu'on était vraiment pas loin la dernière fois. Il restait, allez, un quart d'heure, 10 minutes de jeu. Et après, ben, on verra, on improvisera, selon ce qu'il reste à faire. Je verrai bien. Alors, en plus, oui, c'est vrai que... Alors, ouais, j'avais pas... Le jeu avait crashé samedi dernier. Je ne sais pas où est-ce que je vais reprendre, du coup. J'espère que j'aurai pas grand-chose à refaire. Ça va être la surprise du jour. Elle est lourde, cette manette. Ouais, attends, le cadrage, là, c'est quand même un peu... Hop. On est comme ça... Ouais. Toc. Ah, c'est pas trop mal. Salut! J'allais dire salut Jess. Non, salut Mag. Comment vas-tu? Parce que Jess arrive en premier d'habitude, mais là c'est pas le cas. Salut Mag, comment vas-tu? Je vais bien, merci et toi? Bah écoute, ça va très bien. Petit week-end de 4 jours là. Qui fait plaisir. Parce que lundi, je fais le pont. Et mardi, c'est férié. Ça fait du bien. Espérons que ce soit la fin de ce jeu. Ouais, je pense. Ce que je disais... Ah bon, je reprends juste là. Attends, attends, il va falloir que je me remémore. La carte, elle était là. C'était quoi ce puzzle-là? Je sais plus. On va rentrer, on va voir. Je pense... Normalement, je suis... On avait pas mal avancé le chapitre 5 la dernière fois. Normalement, je suis à la fin, là. Il n'y a pas de raison. C'est quoi, ça? L'aiguille n'était pas suffisamment lire pour lire le cylindre. Elle s'est cassée. J'ai une aiguille, non? Utiliser, examiner. Et si je le finis, alors j'espère le finir rapidement, on verra. J'espère aussi finir, du coup, si on le finit, je reprends Broken Peace et je le termine aussi. Parce que Broken Peace, j'ai regardé la Solus jeudi soir. Je résolvais l'énigme de la radio de merde là, et c'était fini. Il restait une cinématique et c'était fini. Ah, ça m'emmerde d'avoir fait ça comme d'avoir terminé ça comme ça. Et après on verra si je reprends Resident Evil ou Castlevania. On verra bien. Enregistrement utilisé. Ah oui, donc ça avait pas sauvegardé depuis un petit moment. Sérieux? T'avais vu la fausse news sur le changement d'heure? La fausse news sur le changement d'heure? C'est quoi cette fausse news? This place. That thing, the presence, that's what Argos Legrand called that horror. Now I know why. It's anywhere the song is. In the hospital, in Ariadne, in me, everywhere. Maybe there's no solution. Maybe it isn't something you can just end. C'était quoi la fausse news? Qu'on change pas d'heure finalement? J'ai rien vu sur ça là. From this world. Burn the bridge. Return the song to whence it came. If I take the box to that place, if I leave it there, with the presence, I need to push forward. Just ça, je l'avais fait, je crois. Hein. I need to understand. Quand j'ai quitté le jeu, on descendait un ascenseur quand ça a crashé. I need to go there. Mais je sais plus à quel moment c'était dans l'histoire. I need to know.
Elisabeth Borne aurait annoncé que pour le changement d'heure, cette fois-ci, chacun fait comme il veut. Non, mais franchement, il y en a qui ont cru. Il y en a qui ont cru à ça. Oh là là. Do you need my help or do I need yours? Oh. Down. Always down. Ah bah il est là l'ascenseur. Bon mais ça va. Et là en fait imagine c'était la fin du jeu à ce moment là aussi. Ah j'aurais été deg. Non mais c'est pas possible. Tout le monde doit avoir la même heure. Au moins en France. C'est... Aïe 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 aïe. Et ceux qui veulent avoir une autre heure, si par exemple moi, au lieu d'être à l'heure d'été, je veux être à l'heure d'été plus une heure, je peux ou pas? Genre là il est 13h, ben moi j'aimerais qu'il soit 14h en fait. J'aimerais encore avancer d'une heure. Je sais pas, oh là là. En vrai, ce que je dis, ça serait pas plus con, hein. Parce que, en vrai, le milieu de la journée, pour nous, être humains, c'est pas midi. C'est pas... parce que moi, ma journée, elle commence pas à minuit, hein. Moi, ma journée, elle commence à 8h du matin. Donc, franchement, tu prendrais... Alors, ouais, je fais 8... on va dire 8h, 22h. Donc, ça fait quoi? Ça fait 22 moins 8, ça fait... fait combien? Je sais pas. Sinon, tu as vu mon message juste au-dessus? Ça prouve qu'on serait même pas étonné de la part du... Oui, oui, c'est ça le pire. C'est comme l'autre qui a dit que une garde d'enfants, là, je sais plus quoi, elle touchait 3 SMIC. Il a vu ça où, lui? 4000 euros? Mais 4000 euros, c'est son salaire à lui. Enfin, son salaire minimum. Ouais, moi, si le milieu de la journée, ça serait... enfin, faudrait que le soleil soit au plus haut dans le ciel quand c'est 15h-16h, hein, en vrai. Ça fait la moitié de la journée. Ils sont déconnectés de la réalité, mais complètement. Bah, tous, hein. De toute façon, des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Je me souviens encore de l'autre qui croyait que le pain au chocolat, c'était... c'était 40 centimes ou je sais plus quoi, là. On lui a dit non, c'est 3 fois plus cher que ça le vrai prix. C'est quoi cette horreur là? Peut-être que si j'éteins la lanterne, mais n'est-ce pas moi, que se passera-t-il si je l'éteins? Est-ce que je dois l'éteindre? Ah oui, moi je veux la chocolatine à ce prix-là. I'm so sorry. C'est à Toulouse qu'ils avaient fait ça, je crois. À Toulouse, je crois qu'à Toulouse... Ouais, alors c'est combien un pain au chocolat? C'est 1,20€, je crois, un truc comme ça. I don't know what this means, but I think it's important. Oh, thank God you're all right. What did you find? Ah, on peut pas mettre pause. I think something terrible happened to her. She wanted to take the box to a place. À Toulouse, ils avaient fait 1,20€ la chocolatine et 4,80€ le pain au chocolat, je crois. I'll take it from here. Salut Jess, comment vas-tu? Voir 2€ s'il est pur beurre. Ah oui, après ouais, ça dépend peut-être des boulangeries et tout. Ça dépend de la région aussi. Hein. J'imagine que le pain ou le croissant à Paris, c'est plus cher que dans notre région à nous. I've seen it with my own eyes, even if it was in dreams. It's true. Ça va, ça va. On critique le gouvernement. Encore une fois. I need to get the music box and find a way to take it there. Yes. I solved this riddle. Now that I'm awake, I can put an end to this horror once and for all. Now that
I'm awake. I can awake. C'est pareil, l'autre jour, c'était comment il s'appelle, c'était Bruno Le Maire. Il disait pour faire des économies, n'utilisez pas votre sèche-linge. Ah, j'ai eu peur, je voyais. Je vois qu'on revient à l'écran titre, je me suis dit putain, c'est la fin du jeu. Non, il reste le chapitre final donc. Donc ça spoil un petit peu la fin, mais on sait que c'est la fin. Ouais, Bruno Le Maire, alors déjà je me suis dit, ouais, connard, tu me parles de pas utiliser mon sèche-linge. Toi, je suis sûr, toi, tu t'as jamais fait une lessive de ta vie et ton linge, il va au pressing. Enfin bref. Et je me suis dit, mais merde, moi, si j'utilise pas mon sèche-linge, parce qu'en fait, moi, je lave mes fringues du boulot. Donc je me salis la semaine, et à la fin de la semaine, je fais ma lessive. Je me suis dit, alors, il faut pas que je consomme d'électricité le vendredi soir, parce que j'arrive chez moi à 19h, enfin à 17h et des brouettes, le temps de faire la vaisselle, mais à 19h, faut pas utiliser l'électricité, parce que tout le monde cuisine en même temps. Donc je peux pas utiliser mon... On va dire mon... Je vais pas faire de lessive le vendredi soir. Donc je vais faire ma lessive comme je le fais habituellement le samedi matin. Mais en été, il n'y a pas de problème. Je peux laisser sécher mon linge dans l'appart, c'est pas grave. Mais l'hiver, j'ai essayé. Le dimanche soir, mon linge, il est pas sec. Hein. Donc moi personnellement, je vois pas comment je peux laisser... je ne peux pas utiliser mon sèche-linge. Moi, si en faisant ma lessive le samedi matin, c'est clair et net que mon linge il est pas sec le dimanche soir, donc pas prêt pour lundi quoi. Tu vas pouvoir finir les deux jeux aujourd'hui, je pense. Ouais, je pense. Si ça c'est l'épilogue, j'espère qu'il sera pas trop court, trop long quand même. Si c'est juste un épilogue vraiment très court, parce que les chapitres c'était quand même 3 heures. Ouais, oui, bah oui, ça. Ça fait des années qu'on le sait, hein. Between our reality and that terrible place, to take the song and its nightmares to their place of origin. Des fois, je repense à des sketchs de Coluche ou de, enfin de, je sais plus comment il s'appelait, un autre comique qui était avec lui de l'époque. Et tu dis putain, mais entre Coluche dans les années 80 et aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé, c'est dingue de se dire que les trucs qu'il disait il y a 40 ans, c'est toujours d'actualité. Le temps presse, mais non, on a tout notre temps. C'était Death Proge, non? Un truc comme ça. L'autre humoriste. Final! Là. It's almost over. Just find the box and take it to that place. Du coup, on joue avec lui. J'ai eu le choix. Donc, vie unique, donc on n'a pas le choix. Come on, you got this. Je n'arrive pas à voir Aridiane ici. Je n'ai remarqué aucune activité à l'intérieur de la maison. Ben on va rentrer. Hein. Toc toc toc. Hello. Is that somebody here? J'ai regardé Le Peuple des Ténèbres ce matin. Que Jess m'a gentiment trouvé sur internet. Il est pas si ouf que ça en fait le film. Carte non disponible. Mais en fait ce film il m'a marqué parce que c'était un des je crois que c'était le... Ouais c'était peut-être pas le premier mais un des premiers DVD que j'avais acheté quand j'étais étudiant en fait. Et vu que c'était parmi mes seuls DVD, je l'ai souvent maté en boucle. Hello.
Bon. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas le truc d'écoute aux portes. Je pense que ce truc va être vraiment court. Vieille radio, buste en pierre. Un livre d'histoire qui parle aussi bien de la famille de Legrand. On s'en fiche. Une pile de vieux livres. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Mrs. Legrand. Ah, ben elle est là. Pardon me for barging in like this, but I need that box. Et en fait, elle est morte. The box, the music box I gave you. I need it. Please tell me where it is. Its box is upstairs. Mm-hmm. Thank you. Thank you. I promise I'll free both of us from that cursed thing. Donc on a dit à l'étage. Ah, ça s'ouvre plus, zut. Faut trouver un autre chemin. Ah non, c'était de là que j'arrivais ? Oui. Bon, j'ai de la chance, je suis rentré dans la première pièce où elle était, quoi. Voilà. C'est typique des développeurs, ça. La solution se trouve toujours à droite. C'est fermé. J'ai testé alors très rapidement, la démo de Resident Evil Village sur Switch en cloud. Ça va, il n'y avait pas trop de lag. Après, il n'y avait pas beaucoup d'ennemis, alors c'était dans le manoir. Ça aurait été dans le village, là où il y a tous les loups de partout, là. Je sais pas ce que ça aurait donné. Sachant que j'ai une connexion de merde, hein. Faut pas oublier ce détail. Alors qu'il paraît que la version cloud de A Plague Tales Requiem n'est pas terrible. Mais je sais pas, je l'ai pas testé. On y jouera sur Switch Pro en 4K. Voilà, c'est ça. Boah. Classique. Where am I? Dear God, what is this hideous place? En parlant de Switch Pro en 4K, il paraît que Bayonetta il est pas très joli. Fluide, mais pas joli. Isaac Farber, devrais-je frapper? Non. Usher, devais-je frapper? Non plus. Qu'est-ce que je dois faire? La Switch était quand même dépassée à certains... Donc ça n'arrange pas. C'est pas faux. On dirait une gaine d'ascenseur géante. Est-ce là que Berenice Prestegar s'est retrouvée? Ouais.
parcours pas. Si. Là, il y a quoi? Bérénice Prestegar. Argos le Grand. J'imagine que... il y a une des quatre... et là, la grande porte. Je pense que je dois éteindre les lampadaires avant de pouvoir ouvrir la porte et me rendre là. Ah. J'allais dire, je crois qu'il faut que j'évite les... j'allais dire, il y en a une des quatre qui est bonne et les trois autres mauvaises, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut parler aux quatre personnes. Dr. Prestegard. C'est pour ça que je dis que Nintendo, il faut qu'ils arrêtent de faire des consoles. Ils devraient se concentrer sur leurs jeux et leurs accessoires. There are still two patients who haven't heard the song, but I don't remember who they are. Ariadne, are you there? He always lies. The man next door. He always lies about his dreams. Je sais pas. Il s'arrange avec avec Microsoft ou Sony pour faire des jeux sur des grosses consoles hardware, et qui s'arrange avec Samsung ou Apple pour faire les mêmes versions sur une console pensable. Tu imagines une console Nintendo avec les Tomb Raider, FIFA, Call of Nintendo à 250 millions facile. Oui. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? Après, quand tu as goûté aux avantages que procure d'avoir son propre store sur sa propre console où tu gagnes 30% sur tous les jeux, t'as pas envie de lâcher ça. Hein. Pas tant dépasser ça, car finalement, on a appris que AMD a menti et que les processeurs des Xbox One Fat et PS4 Fat ne sont pas plus performants que celui de la Switch. Ouais, mais quand la Switch est sortie, il y avait déjà la Slim qui était un peu plus forte. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? No. Moi, ça me va comment? La Switch va. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? No. Ah, moi ça me dérange. Franchement, le dernier Xenoblade, il était excellent, mais il était vraiment à la limite de ce que pouvait faire la Switch. Cette machine jouera la mélodie de la cellule de mon choix. Je dois faire mon choix avec soin. Ok, donc je dois choisir une bonne... J'aurais peut-être dû... me concentrer sur ce qui se passait là. Alors on a 6 cellules numérotées. Le patient ne répond pas. Ariane dit que le patient de la cellule voisine montait toujours sur son rêve. Ah ok, je connais ce genre d'énigme là. C'est pas celle qu'on appelle l'énigme d'Einstein, un truc comme ça, là ?
même si c'est pas Einstein qui l'a inventé. Donc lui, là, il ment toujours. C'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Ariane a dit que le patient de la cellule Vanney mentait toujours sur son rêve. Mais peut-être que Ariane ne dit jamais la vérité. J'ai demandé au patient s'il avait vu une éclipse de soleil. Il a répondu non. Alors attends, je vais dessiner les six... Alors... 6, 5, 4... Et en face, c'est 3, 2, 1. Ouais. 3, 2, 1. Alors, lui, il me dit... Est-ce qu'il a vu une éclipse? Il me dit non. Là, lui, on dit que lui, il ment. Donc en théorie, ça veut dire que lui, il a vu une éclipse. La course à la puissance, ça fait longtemps que Nintendo a abandonné. C'est vrai. Et ils ont raison quand tu vois la catastrophe de la génération PS5 et Xbox série. Ils ne sont plus capables de produire des machines à bon prix et partant des jeux, aucune... Ouais, ça, je suis d'accord. Après... la Switch, on se plaint des remasters et des portages de PS5, surtout de Sony, mais tous les jeux de la Wii U, ils sont sur Switch quand même. Hein. Alors lui, il l'a dit non aussi. Lui, il a dit non. Bayonetta 3, c'était pas Wii U. Ouais, non. Mais j'ai dit que... Ouais, tous les jeux de la Wii U étaient sur Switch, à part 2 ou 3. Lui, il a dit non. Et lui, il répond pas. Donc j'imagine qu'il faut que j'ouvre 1 et 5. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'exclus sur Switch. J'ai dit que tous les portages de la Wii U, que tous les jeux de la Wii U étaient sur Switch. 1 et 5. Ouais. Ah. J'ai aucune idée de si j'ai fait le bon choix ou pas. Qu'est-ce que je dois faire? On fera écouter la musique de la boîte à musique d'Ariane. J'aurais peut-être dû lire ça avant. À 6 sujets, la procédure a déjà commencé. 4 de ces sujets ont déjà écouté la musique et les effets sont surprenants. Ariane, la patiente témoin, n'a présenté aucun changement à avoir écouté la musique dans sa cellule. Et pourtant, les deux autres sujets enfermés dans des cellules en vis-à-vis ont commencé à parler d'un rêve dans lequel ils voient un endroit sombre sous une éclipse de soleil. Seul l'un des deux a entendu la mélodie. Il est possible que l'autre cas ne soit qu'un produit de pure suggestion, le patient ayant relayé la description entendue de la bouche de son homologue. Par ailleurs, plusieurs sujets participant à l'expérience ont placé des bougies dans leurs cellules, bien qu'ils n'aient pas tous écouté la mélodie. Nous supposons qu'ils imitent simplement ce que font les autres patients dans les cellules en vis-à-vis. Pour une raison ou une autre, les valves du système audio explosent lorsque la chanson dans une cellule. Il n'en reste plus que 3. Nous devrions continuer avec les deux derniers sujets dans les plus brefs délais. Ils ne doivent pas s'échapper. Allez, on fait tout au hasard, ça me gonfle.
Par contre, faire ça sur PS5, c'est injustifiable. Ça, oui, par contre, je suis d'accord. Allez, celui-là. J'ai réussi ? J'ai réussi. Je sais pas comment, mais j'ai réussi. Ah non, je sais pas. The lantern blew out. If I could just do the same with the rest. Pourquoi ça en a été un 2 ? Ce monsieur a un gros marteau. Ariadne. Ah, c'est lui qui a tué sa fille et sa mère là. Enfin, sa fille et sa femme. Ça, on y voit que dalle. Et du coup, vu que j'ai tourné en rond, je suis complètement désorienté. On va essayer de se fier au son, peut-être. Je déteste les cris de bébé. C'est insupportable. Ariadne, where are you? Hop là. Ariadne, hold on. Dad is going to save you. J'ai vu le machin s'éclairer, il a disparu. Je dois aller où maintenant? Ah, et là, j'ai pas réussi à éteindre quoi que ce soit. J'imagine que je peux pas y retourner. J'ai raté ma chance, frapper un auto, c'est... Ah, d'accord. Ah oui, donc il y a quand même le moyen de mourir ici. C'est fait exprès pour qu'on s'occupe d'Instinct. Oui, je sais que c'est ça en plus. Il y a des leviers. C'est un projecteur. Allez, sors de là. Mais sors de là. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est un tank, ce monsieur. Ça, c'est quoi? Je dois échapper à ce cauchemar. Je dois nous tous sortir de cette folie. Je crois qu'ils ont inversé deux mots. Quel qu'en soit le prix. Ouais, c'est des appareils photos, ça.
Il y a un pendu juste devant là, mais ça m'aide pas. Là, j'en ai vu deux. J'ai raté le troisième là. Alors attends. J'imagine qu'il faut que je tire les leviers où il y a eu les pendus. Ça doit être ça, hein, l'énigme. Faudrait que je dessine de nouveau les pièces. Il y a beaucoup trop d'interrupteurs. Alors attends, il y en a un là. Attends, comment je vais dessiner ça? Compliqué. Je vais commencer par en bas. Donc là, il y en a un, deux, trois. Il y en a un au-dessus du deuxième. Il y en a deux un peu plus loin là. Tac. Tac. Ensuite, j'en ai deux comme ça. Donc là, j'ai un espace. J'en ai un ici, un là. Il y en a un comme ça. Un comme ça. Un là. Tac. Attends, je suis où là? Là, j'ai noté celui-là, ces deux-là, il y en a un ici, un comme ça. C'est vraiment des énigmes à la con, ce jeu, c'est impressionnant. Tac, il y en a un là-bas au fond. Et j'en ai raté un, je crois. Il y en a un ici et un là. Il est beau mon dessin, hein, regardez. On voit que dalle. Il est beau mon dessin. Des petits carrés. Alors, ensuite j'ai un appareil photo là. Donc j'ai un appareil photo ici. Lui. J'ai l'impression que c'est sur la dalle qu'il y a là. Je revérifie une fois. Ouais, c'est cette dalle là. Ensuite, celui-là. C'est niveau maternel, ça. Tu m'insultes, là. C'est... Donc celui-là, il est... Celui-là, il est juste ici. Hein. Et on voit les deux autres derrière? Non, on les voit pas, ils sont cachés. C'est parce que je suis gaucher et j'ai un cerveau gauche aussi en fait. Et donc moi le dessin c'est pas mon truc. Moi mon truc c'est la science. C'est pas l'artistique. Il y en a deux là mais le deuxième je le vois pas. Il est vachement proche. Mais impossible de dire sur quelle dalle il est. Après, si j'en ai 2 sur 3, ça suffit, non? Après tout, j'ai que 2 lanternes à trouver. Il est ni sur celle-là, ni sur celle-là. Donc il est forcément... Il est caché par lui. Alors, encore un essai, s'il te plaît. Ah, je sais pas. C'est une de ces deux-là. Dernier niveau.
Évidemment, de l'autre côté où il y aurait eu besoin d'un appareil photo, il n'y en a pas. Et lui, il me masque les deux, lui. Lui, il me les masque, en fait, je ne vois pas. Je me fie au pied. Ah, il est là. Donc, normalement, si je me trompe pas, ce sont ces trois-là. Hop, je recule un petit peu. Hop là. Donc il y a celle-là, celle-là et celle-là. On va essayer. Après, je crois que j'en ai besoin que de trouver deux, donc... Donc j'imagine qu'il faut que je me mette dessus, c'est ça? Non? Ah, ou derrière, en fait. Là. Ensuite, il y a celle-là. Et celui-là. J'ai gagné ? Ouais ! Pof et pof. Et ben voilà, j'ai même pas besoin de faire le dernier cauchemar. C'est beau. C'est mieux que l'éclipse de mardi dernier, hein. Non, je voulais pas appuyer sur ça. C'est pas là, c'était ça. Si on peut courir. See you never. Finir écrasé entre deux gros blocs de pierre. Last. I did it. I fucking did it. Ben voilà. On peut partir maintenant. Mais est-ce que la malédiction est vraiment rompue ? Suspense. Là, en général, le mec, il s'en va. Générique de fin, tout le monde est heureux, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et après, il y a une scène post-générique où en fait, la boîte à musique est toujours là, quelque part. Comme dans Jumanji. En fait, Jumanji, c'est un film d'horreur. Jamais vu le pre... Hein ? Alors là, tu vois, Jess, pour une fois, tu me déçois. Là, le... C'est un film de ton époque, ça, pourtant. Je suis
suis méchant. Non, franchement, le premier en plus avec... Vu quoi, pardon, Jumanji, le film Jumanji. Avec Robin Williams. Le comique, pas le chanteur. Everything will be okay, Mrs. LeGrand. Ah, et le pire, j'ai encore la VHS avec la jacette. Eh ben alors ! Oh là là ! C'est abusé. Je l'ai vu, il est bien. Alors, j'ai pas vu le deuxième avec The Rock et compagnie, là. Mais c'est vrai que le reboot, là, il était pas trop mal. I must have fallen asleep. Avec le jeu vidéo. What time is it? Mais ça vaut pas l'original avec Robin Williams. Donc tu me feras plaisir de regarder ça ce week-end, qu'on en reparle demain soir. Ah, bah non, ils vécurent pas heureux finalement. Le reboot, oui, le deuxième est nul. Ah, d'accord. Ah, on peut pas... Ça pouvait pas marcher à chaque fois. Hein. C'est un jeu espagnol. Ou... Where am I? Hello? Daniel. Is that you? Sophie? Sophie! Help me! Please! Help! Somebody! Help me, please! Help! Let me help! Help! C'est ballot. C'est ballot. Je parle bien de l'ancien avec Robin Williams. Eh bien, mais pas le reboot. Ah, d'accord, pardon. Protocol Games, je sais pas où ils sont eux. Mais vu les noms, ouais, c'est très hispanique. Protocol Games. Basé en Espagne. J'aimais bien les films d'horreur espagnols, ils changent de ceux qu'on a des Américains. J'aimais bien Rec, il était cool. Et ils en avaient sorti un autre qui était pas trop mal, je sais plus comment il s'appelait. On peut pas passer. Bon, il y avait quand même 50 minutes de jeu. Bon, ça va. Il y en avait un autre film que j'aimais bien, avec celle qui jouait Malicia dans X-Men. Je sais plus comment ça s'appelait le film. C'était un truc espagnol aussi. En vrai, ce que j'aime dans les films d'horreur espagnols, c'est que souvent le héros, il survit pas à la fin. C'est les méchants, c'est le monstre qui gagne. Et là, actuellement, c'est la même chose là aussi. Ah, oh, il était court le générique, il n'y avait pas grand monde qui a bossé dessus. C'est vrai. Oui, non, mais je te jure.